Monsieur Edmond Raté, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui. Edmond Raté. Et vous, vous dites que votre problème, c'est que vous êtes hétérosexuel. Exactement. Et je fais beaucoup rire de moi à cause de ça. Oui, bien, effectivement. Hétéro de nos jours, c'est assez banal. Limite louche. Il y a tellement de tendances. Hein? On parle d'androsexuels, ce sont les gens qui sont attirés par la masculinité. Il y a gynésexuel, attiré par la féminité. Ah, ben là, je viens de comprendre d'où viennent les noms de mes neveux, là. Ah. Ben oui, Andro et... Pardon, ils s'appellent André et Gino. Ouais. En tout cas, non. Mais il y a aussi les sapiosexuels, ce sont attirés par l'intellect, les autosexuels. Attirés par eux-mêmes, finalement, sont autosuffisants, sont en amour avec leur propre personne. Ça, moi, par contre, pour ça, il faudrait que je sois plus cute que ça. Là. Non, c'est parce que je suis très sélectif. Quoique, depuis que je porte un masque, là... Il y a les pansexuels aussi. Eux autres, c'est n'importe où, n'importe comment, n'importe quand, avec n'importe qui. Excepté les animaux, quand même. Oui, c'est important de se garder une petite gêne. Hein? Oui. Comme moi, par exemple, j'ai un chien, là, mais c'est platonique. Hein? Bon, des fois, il vient me zigner après la jambe, là, mais c'est pas plus que ça. Là. Mais venons-en à votre problème. Hein? Oui, venons-en à votre problème. Vous dites que vous êtes hétérosexuel, donc vous êtes attiré par les femmes. Genre belle grande blonde au gros sein? Pas nécessairement blonde, là. Qu'est-ce que vous remarquez en premier chez une femme? Que je ne l'intéresse pas. Oui, c'est pas mal ça. D'accord. On va essayer quelque chose. Parfait. On va essayer quelque chose. Je vais vous dire un mot et vous allez me dire ce qui vous vient à l'esprit. OK? Parfait. LGBT. LGBT. C'est la grande bibliothèque, ça. Hein? Non. Non? Non, non, LGBT... lesbienne, gay, bisexuel, transgenre. Ah, LGBT. Oui. Non, moi, je suis comptable, hein. Fait que je suis plus TPS, TVQ, là. Oui. On va essayer autre chose. On va essayer autre chose. Vous allez me dire ce que vous ressentez quand je vous présente cet objet-ci. Oh boy. De la jalousie. Oui, puis aussi, ça me fait penser au film, là, Dildo le Hobbit, là. C'est le film pour enfants, là. Oui. On va aller fouiller dans votre subconscient, OK? Faire l'amour avec des menottes. Non, moi, je suis pas très menotte, moi. Non? Non, j'aime ça avoir les mains libres, tu sais, tout d'un coup que ça me gratte à quelque part ou que j'ai une graine dans l'œil, tu sais. Ou, par exemple, votre partenaire porte des petites culottes mangeables. Ouf, faudrait qu'elle soit sans gluten, hein, parce que je suis très allergique, moi, et je viens tout enflé, là, tu sais. Puis pas nécessairement à bonne place, là, c'est... Oui. On va essayer autre chose. Hein? On va essayer autre chose. Levez-vous. Moi, c'est... Oui. S'il vous plaît. Tournez-vous. Comme ça? Oui. Penchez-vous un petit peu. Bien là... Comme ça, là? C'est ça. OK. Aïe, aïe! Alors? Ben là, ça fait mal, ça. Ça vous excite? Pas tellement, non. On va réessayer. Des fois, ça prend 3-4 coups. Non, moi, ça fait pas ça. Certain? Pas mal certain, oui. Sûr, oui. Rasseyez-vous. Ben, je vais essayer, là. Bon. Ben, on va être obligé de passer par le traitement choc. Ah. Non, pas. Non. Ah. Vous allez visionner un film porno. Ah. OK. Et voilà. C'est quoi l'histoire? Pas très important. De toute façon, vous allez voir, il ne se marie pas à la fin. Oui, c'est assez rare, je l'écoute jusqu'à la fin. Alors, regardez ça, et puis vous allez me dire si vous vous identifiez à un des personnages. Parfait. Oh boy, les perroquets sont beaucoup, hein? Mais là, on dirait que je joue au Twister tout nu. Ah non, OK, il y en a un en dessous, là. Okay. Mettons que c'est une petite coche au-dessus de jouer à bouteille, ça. Hein? C'est... Ah, peut-être c'est lui qui a un côte en cuir. Ah, c'est pas un côte, ça? Ah, bon. Mais...
Mais c'est vous, ça? Oui, bon, ben oui, gardons non, ça. C'est tout. Ben, c'est tout. Mais vous êtes pas mal agile, hein? C'est pas facile. Ouais, non, je pense que notre session est terminée. Vous me devez 125 $. Mais là, est-ce que je paye ça en liquide avec la carte? Sûrement pas, nature.